Là-bas, au fond, la grosse caisse projette son ombre inquiétante. Tiens, de cette ombre s'échappe une autre ombre, rapide, légère, silencieuse. Et voilà cette ombre furtive qui passe maintenant d'un instrument à l'autre, qui délicatement les saisit et les pose dans leur boîte, tout entier ou démonté comme le trombone et ses coulisses. Elle les borde pour qu'ils dorment tranquilles. Cette ombre-là qui passe, c'est... La voici devant la tribu des contrebasses, si grande, si lourde. C'est à peine si elle peut les déplacer, à peine si elle arrive à les soulever alors. Les immenses boîtes s'ouvrent et les contrebasses viennent s'y blottir en dodelinant. Les violoncelles maintenant, ils ont tout juste sa taille. Et les altos, ils sont tous là autour de l'ombre à danser. Les violons s'en mêlent. Tendue de velours, comme on couche parce qu'il est tard les enfants fatigués. Cette ombre dans l'orchestre, s'échophonie bien sûr, qui veut elle aussi dormir et qui se fait son lit dans la belle caisse abandonnée du tuba de Woodoury. Un soupir.